Hey les deux, j'espère que vous allez bien, j'entends son temps pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, petit défi, 5000 pouces bleus en 24 heures, peut-être qu'Oximos vous en donnera un autre. Mais oui, comme je vous ai dit, on n'est pas tout seul, on est avec Oximos. Salut Oximos. Salut. C'est vraiment nul. Okay. Intro de la terre. C'est la pire intro de la terre les gars. Du coup Oximos, est-ce que tu as un petit défi de like à donner aux abonnés? Alors, un défi, ça dépend s'ils sont chauds ou pas. Je pense qu'ils peuvent être chauds en ce moment. S'ils sont chauds bouillants, je leur donne 10 000 likes. 10 000 likes. Ok, bon les gars, mettez tous 10 000 likes. Surtout qu'on va vous annoncer quelque chose. Aujourd'hui, ça va être le dernier épisode de la série. En tout cas, de cette série. Si vous voulez revoir d'autres séries, que ce soit avec Oximos ou d'autres personnes sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez, après une suite, une saison 2 de l'île de la survie, etc., sur une autre île ou un autre monde, ça pourrait être vraiment super génial avec Oximos. Du coup, là. Il faut mettre 10 000 pouces bleus. Ouais, bah non, plus même. On va dire 15 000 pouces bleus pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison, c'est 15 000 pouces bleus. Allez, 15 000 pouces bleus. On compte sur vous, les gars. Du coup, tout le monde, likez, sinon on va jamais y arriver. Du coup, franchement, ça coûte rien. Vous mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Oui. En plus de ça, on leur fait des vidéos gratuitement. Ouais. Genre, elles sont gratuites et tout. Donc, franchement, nous, le seul moyen de nous remercier, bah, c'est de mettre un petit pouce bleu. C'est aussi pour vous gratuit. Et c'est super important. Donc, mettez des likes. Mettez des likes et des commentaires, des abonnés. Et n'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, les gars. Il y a ma petite boutique où il y a plein de petits t-shirts avec Carlos, Oximos, Souka, etc. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer enfin Oximos, la petite survie. Du coup, alors, par contre, je sais que toi, les derniers épisodes, ça allait pas trop. Enfin, je sais pas, je pense que ça va alors, un petit peu mieux. Ça va mieux, mais si tu comptes marcher, je peux pas venir avec toi. Je te le dis tout de suite. Il faut que tu m'aides, soit tu me portes. Ah oui, porte-moi. Non, j'ai pas envie de te porter, t'es beaucoup trop lourd. Surtout que là, t'as mangé beaucoup d'Uber Eats en ce moment, donc tu dois être énorme. Ce midi, j'ai mangé deux tacos, un tacos 3 viandes et un tacos 2 viandes. Ah ouais, toi t'es vraiment gros, alors Oximos il rigole pas du tout. Hein. Non, mais en vrai, moi ce que je peux te proposer, bah tu connais pas un moyen pour qu'on puisse, bah, je sais pas, te soigner plus rapidement ou autre. Bah, il faut que tu trouves un remède. Bah oui, mais où? Il y a un remède dans le, dans le bunker où, que t'as découvert. Quoi, vers le bunker là, genre là où il y a ton bateau? Ouais, je crois qu'il y a un remède, non? Eh ben, je sais plus, bah ouais. C'est vrai que les gars, Oximos m'avait parlé d'un certain remède. Moi, j'y croyais pas trop, donc on va voir si c'est vrai. Apparemment, dans un coffre, il y a un remède. Donc, ça soit vers le bunker ou soit vers le bateau, sous le bateau, je sais pas où il est. Ah oui, oui, c'était au bateau. C'est au bateau, ok. Si. Ouais, je m'en souvenais plus, c'est pour ça que j'étais hésitant. Mais oui, c'est au bateau. Ok, c'est là-bas là. C'est celui qui est là-bas. Ouais. Normalement, dans un coffre, il y a des espèces de potions. Tu les prends et tu me les amènes. Ok. Bon, je vais aller voir ça, les gars, s'il y a une potion ou pas. Mais au pire, reste ici, reste dans ta petite cabane et j'arrive tout de suite, d'accord? Vas-y. À tout à l'heure. Bon, du coup, les gars, nous c'est parti. On va aller voir cette fameuse potion, si on a une en tout cas, parce que si on n'a pas, ça va être dommage. Ah bah regardez, il y a un petit bateau ici. On va le prendre, nickel. Bon bah c'est plutôt pas mal les gars. Il y a un petit bateau. Je ne sais pas comment il se pilote. Ok, c'est comme ça. On va essayer de vesquer le petit méchant là qui donne. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger au perroquet? Non, c'est bizarre. Bon les gars, franchement Minecraft, ça me surprend tous les jours. On aurait dit que le petit soldat méchant là, il donnait à manger au perroquet. Du coup, c'est parti. On va vers le petit bateau qu'Oximos avait construit. Si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à le voir. Il était vraiment super bien. Donc comme je vous ai dit, le dernier épisode, si vous en voulez une autre saison, il faut nous le dire dans les commentaires. Et vraiment, allez voir toutes les vidéos. Et si je vois que les vidéos de base vous plaisent, c'est-à-dire quand on est sur Mars avec Carlos, etc. Pour ceux qui savent pas, ouais, parce qu'il y en a plein qui regardent pas mes vidéos avec Carlos. Mais avec Carlos, on est actuellement sur Mars. Du coup, franchement, n'hésitez pas à les voir. C'est trop bien. On s'amuse vraiment bien là-bas. Il y a plein d'aventures qui se passent. Alors voilà, du coup, il y a le bateau ici, mais il n'y a pas de coffre. Qu'est-ce qui me parle? Ah oui. Alors attendez, il y a des coffres au-dessus. Donc là, on va se mettre là. On va passer par ici. Voilà, bon, il y a plein de diamants. Là, il n'y a pas de potion. Et là, pas de potion. Ok, du coup, les gars, je ne sais pas si la potion est vraiment là. Hein. Ah, mais attendez, il m'avait dit vers le bateau. Il n'y a rien. Ah, si, il y a un coffre ici, les gars. Attendez, attention, hop, on va le prendre là. Ok, oh, il y a une potion de soin. Effectivement, c'est ça, les gars, qu'on a besoin. C'est une potion de soin. Bon, je jette le coffre dehors. Du coup, c'est parti. On a la fameuse potion de soin. J'espère en tout cas que ça va marcher sur Oximos. Le bateau, je sais plus s'il est là. Bon, j'espère en tout cas. Le bateau. Ah, oui, il est encore là. Bon, j'ai peur des fois que le bateau s'en va un peu avec le courant de l'eau. Du coup, on va faire une petite marche arrière des familles. Du coup, tac, et là, on va tourner. Hein. Au pire, on va tourner comme ça. Voilà, et on va retourner vers Oximos. Sa petite. Ouais. C'est quoi ça? Ah, ok, il y a la fumée encore, les gars. J'ai cru que c'était Oximos qui avait tiré quelque chose. Attention, les petits poissons, attention. Ok, du coup, c'est parti. On va rejoindre Oximos. On va lui donner la potion. En tout cas, j'espère que pour lui, ça va aller beaucoup mieux et qu'il va pouvoir marcher. Parce que là, les gars, faut trouver un moyen de sortir d'ici. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui peut nous apprendre. Parce que il a quand même eu un avion. J'espère qu'il peut en avoir d'autres, etc. pour qu'on puisse s'enfuir. Du coup, hop, c'est parti. Oximos, t'es là? Oui, je suis là. Ah, viens voir, j'ai réussi à trouver la potion. J'ai adopté un petit cochon. Mais t'as adopté un petit cochon, super. Il s'appelle comment? Il s'appelle Piggy.
Ah, ok, donc comme le cochon de Carlos. Là, c'est Carlos qui m'a copié. Regarde ce que j'ai fait à Piggy. Ouais, doucement, doucement. Bah, c'est pas sympa. Lui, Carlos. Carlos, barbecue. Ok, bon, il a tué le cochon pour le manger, les gars. Bon, tiens, la potion Oxymose. Non, je le donnerai pas à manger. Je le donnerai à manger à Souka. Ah bon, Isuka, oui, ok. Bon, bah, Oxymose veut faire manger du cochon à Souka. C'est plutôt pas mal, ça. Hein. C'est super, une bonne idée, ça. Hein, Oxymose. Vas-y, mange la potion et tu me dis si ça va mieux. Attention. Vas-y, vas-y. J'espère que ça va pas te transformer. Hein. Attends. Vas-y, attention. Vas-y. Ouais, vas-y. J'ouvre la bouteille. Ok, oh, c'est une gourde du brave. Ok, ok. Ah, tu te sens mieux? Ah, oh, il se transforme en gorille, il se transforme en gorille. Oh, je suis en pleine forme, Avarice. Je suis en pleine forme. Eh oui, mais en fait, t'as pris la potion d'Astérix et Obélix, là. Oh, allez, on va pêcher Avarice. Non, 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 on va pas pêcher Oxymose. Ouais. Eh, il faut vraiment qu'on s'enfuit de cette île, Oxymose. Ça suffit, là. Ça fait trop longtemps qu'on est ici. Il faut vraiment qu'on parte, trouve une solution. Ouais, on s'enfuit, gros. Quoi, oh, t'as deux underperles? Ouais. Ouh, mais fallait me le dire, t'as combien d'underperles? J'en ai plein. Vas-y, passe-en. Bon, allez, on s'enfuit, go, go, non, go. Non, mais Oxymose, est-ce que t'as un moyen de t'enfuir ou pas? Ah, j'ai un moyen de m'enfuir. Ouais, bah, ou pas? Tiens, prends à manger. Ok, bon les gars, je vais prendre à manger, donc Oxymose, je sais pas comment il veut qu'on s'enfuit. Je sais que la première fois, il avait des avions, donc je pense qu'il en a pas qu'un, parce que comment il a pu le fabriquer? C'est bon, t'as trouvé une solution, Oxymose? Tu m'as dit que tu voulais des underpearls tout à l'heure. Tiens, des underpearls. Mais non, pas avec des underpearls, Oxymose. Il faut qu'on s'enfuit, qu'on retourne sur notre vraie map. Ah ouais, alors. Bon, je sais pas si je vais dire. Mais pourquoi il hésite, le gars, il veut pas me dire. C'est bon, Oxymose, ouais. Tu peux me faire confiance. C'est même toi, si t'as envie de partir, faut qu'on trouve un moyen. Oui, bah on va partir ensemble. J'ai construit deux autres avions en plus de celui que j'avais construit. Wow, avant. Deux autres avions. Ouais. En fait, c'était. En fait, je voulais te laisser une lettre d'adieu. Quand j'ai décollé et dire qu'il y avait quand même un autre avion pour toi au cas où. Ah ok, mais pourquoi tu voulais pas partir ensemble? Parce que j'avais envie de partir tout seul. Ah, et t'es pas sûr qu'il marche les autres? Ouais, voilà. Et comme bah je savais pas sûr, j'étais pas sûr que le deuxième il marche, c'est pour ça que j'en ai fait un troisième pour toi. T'as vu, j'ai été gentil. Waouh, oui, c'est vrai, c'est vraiment très gentil. Ça veut dire que là il y aurait deux avions. Bah attends, mais ils étaient où? Ils sont vers le truc, le bunker qu'on avait construit. Enfin, ouais, le... ils sont au bunker. Il y en a deux. Deux. Il y en a deux. Wow. Mais viens, on y va maintenant et comme ça on essaye de voir s'il marche. Bah vas-y, go, 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 go. C'est parti, bon du coup les gars, on va aller Oxymose, par où on pourrait passer attendez, on va aller tout droit. Si on fait le tour, ouais. Ouais, on fait le tour. Ah oui, bah oui, de toute façon, c'est vers l'avion, du coup, où le Cosmos a été enterré. Et tout simplement, bah, l'avion où il a été crash. Notre base, elle est là-bas, les gars. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir enfin quitter cette petite base. Bon, on n'ira pas la voir aujourd'hui dans cet épisode. Du coup, c'est parti, on va traverser la petite mer. Hop. Tu suis Oxymose? Ouais, je suis devant toi. T'es où? Ah ok, t'es plus rapide que moi. Ah oui, mais lui là, c'est underperle, les gars, il triche un petit peu, Oxymose. J'ai mes élytras. Bah moi aussi je les ai, attendez. Ouais, je les ai sur le dos, ça marche pas. Tu l'as pas utilisé. Ouais, je les ai pas utilisés au bon moment. Ok, du coup c'est parti. Oh, regardez, il y a la piste d'atterrissage. Bah on va aller tout droit, hein. Attends, ils sont derrière la piste d'atterrissage, Oxymose. Je sais plus où je les ai mis. Alors attends. On va continuer la piste d'atterrissage pour voir si c'est quelque chose. Je crois qu'ils sont plus vers le bunker. Oh bah attends. C'est deux avions ça, non? Regarde. Oui, c'est cela. Oh les gars, regardez, il y a deux avions ici qu'Oxymose avait construit. Ah oui, bah oui, on les avait pas vus parce que toi quand t'étais là, genre moi je suis arrivé juste ici, en plus les herbes elles sont vraiment hautes. J'étais juste ici, du coup je pouvais pas aller voir à droite quand t'as décollé, j'ai eu peur, j'ai suivi. Wow, c'est du n'importe quoi. T'as vu ça? Ils sont flambant neufs. Ah ouais, ils sont vraiment beaux. Bon bah du coup c'est parti, on va pouvoir peut-être les tester, on va voir s'ils marchent. Oh oui, ils marchent. Je crois qu'ils marchent. Oh oui, ils avancent Oxymose. Il faut lever la tête pour que ton avion il se lève. Ok, viens, on se met sur la piste de décollage. Je vais quand même sortir, les gars, pour voir si vraiment Oxymose lui aussi il marche. Il marche le tien, Oxymose? Ouais, il marche. T'es où? Par contre, je suis plus la piste. Ah, elle est là. Ok, bon, Oxymose, je sais pas où. Tu te vois pas, Oxymose? Je suis là. Ah, si t'es là, ok, nickel. Ok, bon, du coup, Oxymose, son avion marche, les gars. Je pense qu'il est enfin temps de dire au revoir à cette petite map, les gars, cette petite île. Justement, Oxymose, avant qu'on décolle, je te propose qu'on fasse une petite pancarte et qu'on dise bah adieu, un truc comme ça pour le prochain survivant. Et que on va leur dire bonne chance. On va leur dire bonne chance parce que c'était vraiment quand même éprouvant toute cette aventure. Du coup, c'est parti, les gars. Hop, je vais prendre une petite table de craft histoire de. Ah, bah j'avais déjà des sticks. Bon, bah c'est pas grave. Des sticks comme l'Olympique, tac. On va prendre ça. Attends deux secondes, je reviens, je vais faire pipi. Vas-y, va faire pipi. Bon, du coup, les gars, si je me souviens bien, les panneaux ça se fait comme ça. Et là, il faut mettre du bois comme ceci. Ouais, nickel, voilà. J'ai trois panneaux. Bon, bah moi, oula, j'arrive pas à prendre. Voilà, moi, je vais me prendre mon panneau, les gars. Et je vais le mettre, je ne sais où. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur la piste de décollage. On va mettre un petit message ici. Regardez, hop. On va marquer bonjour. Je suis Awariz. Je suis Awariz. Je
Me suis enfui. Me suis enfui. Bonne chance, les gars. Bon, j'écris mal parce qu'il n'y a pas trop de place sur le panneau, les gars. Mais en tout cas, je vais marquer bonne chance, voilà, aux aventuriers. Et je vais leur dire comme quoi on a quand même une petite cabane. Une petite cabane est déjà construite. On va marquer une petite cabane est déjà construite. Oh, voilà. C'est bon, j'ai fait pipi. Théo, oh, regarde, j'ai mis un petit message. Yeah. Bonjour, je suis abri, je me suis enfui, bonne chance. Une petite cabane est déjà construite. Ouais, ouais, attends. Une pointe, tu mets vers là-bas avec une flèche. Ah ouais, je vais mettre une direction vers là-bas. Bon, là-bas, les gars, attends, on va écrire quand même bien. Viens, on fait un petit coffre. Attends, je le fais. Ouais, vas-y, fais un coffre. Et là, les gars, on va mettre une petite direction pour les prochains voyageurs. Du coup, voilà, avec une petite flèche. Et voilà, comme ça, ils vont voir la petite flèche. Ils vont vouloir aller par là-bas et regarder la petite base à un moment. Et ouais, voilà, regardez, on voit le petit pont là-bas. Ok, nickel. Bon, du coup, c'est plutôt pas mal. Tu veux mettre un coffre avec quoi? Ah oui, on met tout ce qu'on a, nous. Je te fais des offrandes. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas bête, les gars. Bon, du coup, Oximus, il a vraiment raison de faire ce qu'il fait. Du coup, alors attendez, je mange un petit peu avant le décollage. C'est parti, tac. Et du coup, voilà, on va lui faire des offrandes. Ah bah oui, Oximus fait ça vraiment super bien. Hein. Ah bah attendez, ah bah oui. J'ai des coffres aussi. Je vais leur faire des offrandes. Là, ça va être un peu le. Je balance tout dedans. Je vais leur donner ma petite tunique, etc. Hop. Alors, oh non, je vais me séparer de mon chapeau. On va mettre les fusées détresse. Ouais, mais c'est pas grave, Oximus. Faut leur tout leur donner, vraiment. Non, je garde le chapeau. Oui, tu peux garder un souvenir si tu veux. De toute façon, j'ai laissé un stuff en cuir. En diams. Du coup, là, je vais même leur donner les élytras. Comme ça, au moins, ils pourront s'en utiliser. Donc, si Oximus, tu leur laisses tes élytras, non? Allez, on va laisser des élytras. Wow, regarde ce que je fais, comment c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau, les gars, le coffre qu'Oximus fait. Et du coup, regardez, il y a un livre, je vais le vider. Ah, c'est dégueulasse. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. De quoi, le coffre que j'ai fait? Non. Ouais, les gars, Oximus est en train de parler mal de mon coffre. Voilà, du coup, là, regardez, j'ai mis le livre, il est tout vide. Du coup, c'est parti, on va leur marquer quand même un petit mot. Bonne chance et bonne survie, on va marquer. Bonne chance et bonne survie. Tac. Et là, bah, Oximus, si tu veux aussi mettre un petit mot, tiens. Ouais. Et franchement, si nous on était arrivés sur l'île, on aurait eu ça. Franchement, on aurait été super contents. Ah bah on aurait été gâtés. Regarde, là il y a un bloc, il y a quand même un peu de fer, il y a des trucs pour survivre. Bah, déjà, qui est hache en diams, pelle en diams. Il y a des petits bunkers qu'on a trouvé et tout. Bon, on leur a pas dit, les gars, parce que ça a quand même eux de faire la survie. Mais je pense que regardez, il y a en bas là, il y a un truc de fou. Ils vont pouvoir s'abriter en bas. On a même fait un bunker et tout. On a fait vraiment beaucoup de choses sur cette aventure, les gars. Du coup, c'était vraiment génial. Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit. Mais bien sûr, on peut avoir des épisodes 2, comme du coup bah, sur les RP prison d'Oximus. Du coup, c'est bon, t'as fait ton livre. Faire ce que c'est bon. C'est la merde, bonne chance les frérots, c'est rien, c'est la rue. Ok, ok. Du coup, voilà, je vais mettre le petit livre ici. Et ben moi, je dis que c'est parti, Oximus. On va prendre nos petits avions et on va décoller. Hein. Ouais, vas-y. Hop. Tu décolles en premier ou je décolle en premier? Je vais décoller en premier, je pense. Je vais mettre en F5 pour qu'on puisse voir comment je pilote, les gars. Alors, hop, je sais pas si on peut se mettre F5. Voilà, je décolle. Tac, nickel. Bon, ben, on va voir, les gars. Regardez, je me suis mis en F5. Du coup, il faut que je pointe le curseur vers le haut. Mais regardez, on est en train de s'enfuir. Oximus, tu décolles? C'est bon, je décolle. Ok, bon, attends, Oximus, les gars, on va. Je sais pas, je te vois pas. Je baisse l'altitude, faut que t'ailles tout droit. Hein. Ok, bon, Oximus, je sais pas où il est. Bon, je crois que je monte un peu trop, moi. Hein. Ok, bon, les gars, on va descendre un petit peu, c'est parti. Là, je baisse l'altitude, regardez, il y a les paysages. Oh, c'est magnifique, les gars, l'île, franchement, elle était vraiment très belle. Oximus, t'es où? Je te vois pas. Au pire, on se retrouve tout simplement quand on arrive à la ville, d'accord? Vas-y, on fait comme ça. Vas-y, à la prochaine. Bon, du coup, les gars, c'est parti. Nous, on va commencer à partir de l'île. Regardez, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est parti. Le voyage commence. On voit en bas à droite notre petite point de vue, les gars, sur notre base. On voit l'île entière. Regardez, ça commence à être vraiment super joli. On la voit en entier. On n'a pas vu le petit volcan, les gars. Si vous voulez, on va faire un petit aller-retour. Allez, les gars, c'est parti. Juste pour vous, on va faire un petit aller vers le volcan, les gars. Parce que franchement, ça me fait plaisir d'aller voir ça. Du coup, c'est parti. Alors, je sais pas par où il faut aller pour voir le volcan. Du coup, alors, quoique, il est peut-être un peu loin, non? Je sais pas, les gars. Bon, je sais pas. Au pire, ce qu'on fera, les gars, c'est que vous montrez. Si vous voulez voir le volcan, simplement vous allez sur les anciennes vidéos, les abonnés. Parce que là, on est un peu trop loin déjà. On commence à monter vraiment en altitude. Et c'était vraiment super cool cette aventure. Si vous aussi vous l'avez aimé, mettez un maximum de likes. Si vous voulez tout simplement une autre aventure avec Oximus ou un autre youtubeur, se trouve, il y a peut-être une autre aventure qui va commencer. Ça sera peut-être pas une survie, mais peut-être que ça sera peut-être dans le même rapport. Ou peut-être bah, qu'on fera une autre saison avec Oximus. Franchement, les gars, je compte sur vous. Mettez un maximum de likes. On vous a dit 15 000 likes sous cette vidéo. Et il y aura une prochaine saison. Du coup, là, je compte sur vous. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Awariz et Oximus. Et ciao tout le monde!